Salut, c'est Emeraude, bienvenue sur ma chaîne Emeraude VMAX, donc le retour de moi-même dans le jeu Pokémon Perle. Donc nous sommes à Félicité, et donc nous allons toujours continuer d'essayer d'attraper la bras, hein. Bon là je ne cherche plus, je prends la fuite devant les Pokémon, et je veux mon Abra. Donc voilà. Bien sûr, j'ai pas réussi à fuir. Super. En vrai, je vais remettre mon équipe à la normale, puisque la technique pour attraper Abra, j'ai décidé, j'y ai réfléchi, ce sera de lancer une Pokéball et on verra, advienne que pourra. Allez. Lixi. Bon, je vais quand même me battre contre les Pokémon. Comme ça fait augmenter mon XP. Je gagne très peu en points d'expérience là, mais c'est normal. Mais mon but c'est de trouver Abra et de l'attraper, donc ça va être compliqué. Je vais voir si ma technique fonctionne. Je pense pas que ça fonctionnera à 100%, il y aura forcément des loupés. Mais j'espère que je réussirai à l'attraper comme ça, ce serait bien. Ok, et Tourmi toujours. Ah, comme ça, niveau 5, je l'ai pas one-shot. Allez, Abra, montre-toi. Ok. Bon, on va tester avec... Ça marchera probablement pas, mais... De toute façon, si je l'attaque, il va se téléporter direct. Donc j'ai pas le choix. C'est le seul moyen que j'ai. Mais bon, ça risque pas de marcher. Oh! Je l'ai eu, enfin! Ah là là! Ah bah voilà, en plus... Premier Abra que je trouve, je le chope direct. Ah, franchement, je suis trop contente. Enfin, je l'ai eu, quoi. Abra qui est mâle et femelle en même temps, d'accord. Bon, allez. Non, surtout pas. Les surnoms, on s'en fiche. Je suis tellement contente d'avoir enfin réussi à l'avoir. Vraiment. Je suis soulagée aussi. Contente et... Ouais, contente et soulagée. Enfin, j'ai mon Abra, c'est bon. Je peux continuer l'aventure. Kyonotor, ok. Niveau combien? Ça, c'est la question. 5? Oh, tranquille. Écrase face.
Hop, KO. Ok, type loup, c'est bien. Monte de niveau, que notor aussi. J'ai hâte que mon Abra... Il apprend roulade. Ok. J'ai hâte que mon Abra... Un Nosferapti. Non, c'est bon. On s'en fiche. Que mon Abra, comment... augmente de niveau, tout simplement. Je le sens pas, le étonnement. Non, c'est bon. C'est bon, ça passe. Ok, moi j'attends surtout que mon Abra monte plus haut niveau, comme ça je peux le mettre plus haut dans mon équipe. Oh, mes pauvres Kenotor et Nosferapti. Ah bah oui, bah c'est un combat Pokémon. J'en profite pour aller les soigner au centre Pokémon. Par ici l'entrée. Oui, je veux bien. C'est le principe, je suis venue ici pour ça. Alors, mon équipe, non, le Pokédex. Ouais, Tortipousse parce que je l'ai combattu. Abra. Nosferapti aussi, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Je complète le Pokédex. Doucement mais sûrement. Ah. Ouais, cool, une Pokéball en plus. C'est pour celle que j'ai pris, que j'ai utilisée contre Abra, ça. Alors la question c'est par où je passe. De toute façon je peux pas passer par là, il y a une Pokéball là-bas mais ça me sert à rien. Ah si, je peux peut-être passer par là. Bon, je vais déjà passer par là. Un étourmi, ok. Ok, je pense que je vais passer par ici. Ah non, faut que je fasse tout le tour, ok. Bon. Bonjour, bonjour. Mon Pokémon et moi, on est toujours ensemble. Admire la force des liens qui nous unissent. Bon, mon Pokémon et moi, on est toujours ensemble aussi, hein. Un Krixik. Mais il l'a trouvé où, son Krixik? Moi, tous les Pokémon que j'ai pas, je les veux. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Je vois un Pokémon que j'ai pas, je le veux. Pour l'instant, c'est facile, hein, les combats Pokémon. C'est plus tard que ça... va être un peu plus compliqué. Lixie niveau 10, ok cool. Et Abra niveau 6. Et il avait qu'un Pokémon, ok. Et maintenant c'est la force de la tristesse qui nous unit, mon Pokémon et moi. Un étourmi encore.
Il y a beaucoup d'étourmis et de Quenotor. Pokémon basique. Là, c'est plus pour mon Abra que je fais prendre des points d'XP, ce qui est très bien. Bonjour. Oh, j'ai trouvé une dresseuse alors que je cherchais des Pokémon. Oui. Bonjour. Ok, elle a 3 Pokémon. Que Quenotor pour commencer. Comme d'habitude, on utilise pistolet à eau. Ok, one shot. Coup critique en plus. Il avait aucune chance de s'en sortir. Ok, cool pour Abra. Un rose bouton? Mais ils les ont où leurs Pokémon là, sérieusement? What? Allez, Tiplouf. Oh, étourmis niveau 11. Ok, cool. Au suivant, un étourmis. Ouais, bon, ça, tranquille, quoi. Ok, cool. Cool et normal en même temps. Comme je vous l'ai dit au début, c'est facile. Hein? C'est déjà fini? Bah oui, c'est déjà fini. Je vais quand même aller au centre Pokémon. J'aime bien faire ça parce qu'au moins ça me permet de récupérer les PV de mes Pokémon et... Pardon. Et leurs attaques aussi complètes. Allez, continuons cette aventure. À Charbourg. Ok, donc là je dois passer par là. Après ce combat, je saurai si je suis prêt à m'attaquer au champion. Bah, à mon avis, tu risques pas de le gagner. Hein. Je dis ça, je dis rien. Avec un seul Pokémon en plus, ok. Un Machoke. Oh, un Machoke. Critique. Aïe aïe aïe. One shot. Bah là t'avais aucune chance. Clairement. Si tu veux t'attaquer au champion, ce sera pas pour aujourd'hui. J'imagine que pour moi la reine c'est pas pour tout de suite. Ah va falloir travailler encore un petit peu. Hein. Il y a une grotte. Bonjour. Champion de l'arène de Charbourg m'a donné un badge super cool. Ok. Deux Pokémon. Ça marche. Étourmis pour commencer.
Bon, je sais pas il est niveau combien, mais ça va être facile. Niveau 5, oh oui, tranquille. Ah, il reste pas beaucoup de PV. J'aurais presque pu le one-shot. Comment ça, il attaque avant moi? Ok, je suis contente pour Abra, il gagne beaucoup d'XP là. En même temps, il était bas level aussi. Que Notor, ok. Non, c'est bon. Ok. Écrase passe. Voilà. Oh, j'ai perdu. Oh là là. En effet, tu as perdu. Ok, tourmi. Bon, comme il est niveau 6, je pourrais pas le one-shot. Ah bah si. Ok, j'ai rien dit. Ah, Tiplouf niveau 13. Ok, je trouve un repousse. Comme c'est des fourrés, il y a forcément un Pokémon là-dedans. Allez. Je vais faire ça en long, large, en travers, il n'y aura rien. Bon, c'est bon, j'ai compris. Ok, je vais devoir aller dans la grotte. Bah, du coup, avant d'aller dans la grotte, par contre... Je vais aller récupérer des PV et mes attaques pour être complètement... Enfin pour que mes... Pour que... Oh là là, j'arrive plus à m'exprimer, c'est incroyable. Pour que mes Pokémon soient complètement en forme et qu'ils aient toutes leurs attaques, parce qu'on sait jamais, dès qu'on entre dans une grotte, vaut mieux être, full PV et full attaque. Allez, c'est parti, on va passer dans la grotte. Ok. Bon, je vais quand même regarder, mais normalement je suis au bon endroit. Allez. Je vais quand même sauvegarder accessoirement, ça pourrait être bien. Parce que bon. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. Rentrons dans la grotte. Bonjour. Oh, je vois que tu as une Pokémontre. Ça ne fait pas très longtemps que tu es dresseuse, non ? Mais c'est super, plus on est de fous, plus on rit. Laisse-moi t'offrir ces CT et une application pour ta Pokémontre. Ok, c'était 98. Éclatroc. Ok. Au fait, les CT permettent d'enseigner des capacités aux Pokémon, mais attention, elles sont à usage unique. Réfléchis donc bien avant de t'en servir. Parlons maintenant de l'application que j'ai installée sur ta Pokémontre. C'est l'application Capacité Secrète. Si tu utilises Éclatroc via celle-ci, tu pourras briser les petits rochers
qui te bloque le passage. Enfin, ça ne fonctionnera que si tu possèdes déjà le badge de l'arène de Charabourg. Car en effet, des badges d'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes. Sur ce, j'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire grâce à ta nouvelle appli. Ok. Alors du coup, la question c'est par où je vais? Bon, là je peux rien faire parce que j'ai pas éclatroc. Du coup, j'ai pas vraiment le choix en fait sur le trajet. Nous les dresseurs, nous combattons n'importe où, c'est comme ça. Oui, bah ça je vois, il y a des dresseurs sur tous les chemins. Eric, le fan de camping? Sérieusement, le fan de camping? Allez. Vas-y, Tiplouf. Je manque peut-être d'entraînement. Peut-être. Si les Pokémon sont trop faibles, c'est qu'il manque d'entraînement. Suivant. Bonjour. J'ai réussi à traverser cette grotte. Pour fêter ça, je vais t'affronter. Ouais, ok, d'accord. Pas de problème. Quand tu veux. La fan de pique-nique. Alors, entre le fan de camping et la fan de pique-nique, franchement... Ah, Pokémon. C'est pas très efficace. Allez hop. Oui, évidemment, c'est pas très efficace. J'ai l'habitude de l'utiliser, mais c'est pas très efficace contre les types plantes, donc ça sert à rien. Mais j'ai pas torrent. Donc ça change rien à mon talent. Allez, type louf. Je pourrais pas faire un coup critique la première fois, ça m'aurait évité d'en devoir en faire un deuxième. Ok, Lixi niveau 11, cool. Et Abra niveau 9. Ok, ça je suis contente. Psycho-quack. Oh, c'est bon, je vais garder petit plouf. En même temps, j'ai envie de dire, ça risque d'être difficile. Ah non, normalement ça doit rien lui faire. Ouais, c'est ça, c'est pas très efficace. En fait, c'est vrai que j'ai type O contre type O, ouais, ça risque pas de marcher. Voilà, c'est mieux comme ça. Que Notor niveau 10. Abra, s'il te plaît, monte niveau 10, comme ça je te monte devant. Bon, j'espérais fêter ça avec une victoire, mais j'imagine qu'une défaite fera aussi l'affaire. Bah, t'as pas trop le choix, hein, pour le coup. Ah, tu me bloques le chemin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des... Oh, racaillou! Viens ici, mon racaillou. Niveau 7. D'aller, je vais utiliser Crasse-Face, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas le one-shot. Ah, c'est pas très efficace. Je vais essayer pistolet à eau. C'est un peu tendu, mais je pense que ça peut le faire. C'est-à-dire que je peux ne pas le one-shot. J'espère. Ah mince! Oh non, je suis... je vais changer de Pokémon parce que là... c'est bien de gagner des points d'XP, mais c'est pas ce que je voulais. Tiplouf, franchement, tu fais trop de dégâts. Niveau 7. Niveau 7, du coup, je vais mettre Abra.
Hop. Allez, je vais essayer de la voir cette fois-ci. Ah, j'ai que téléporte. Super, ça sert à rien ça. Qu'est-ce que tu veux que je... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec téléporte au moins? Punaise, je peux rien faire avec ça. Bon, elle est que Notor. J'avais pas vu qu'il avait que téléporte. Ok. Attaque. Roulade pas très efficace et charge pas très efficace. Ça veut dire qu'on va y passer 10 ans. On va essayer quand même. Évite l'attaque. Mmh. Je sens qu'on va y passer 10 ans sur ce Pokémon. Ah ouais, vraiment pas efficace du tout quoi, va falloir que je trouve autre chose. Je pense que je vais reprendre Tiplouf et puis on verra parce que là il s'est mis full armure et tout. Et roulade, il y en a combien des roulades? Il y a un nombre limité quand même, c'est pas possible. Je vais pas faire que des... Il y en a combien des roulades? C'est bon, arrête de faire roulade, top en fait. Oh, enfin! Bah dis donc. Bon bah je vais continuer avec charge du coup hein, tant que je suis là. Bon allez, je vais essayer de le capturer parce que sinon on y est encore demain. Ouais, j'ai un racaillou. Ah ouais, non mais pff, roulade 5 fois quoi. Ah ouais, après niveau 10, cool. Je vais pouvoir le mettre devant le Kunotor. Cool, racaillou. Non, c'est bon, les surnoms, on a dit non. Stop, arrêtez de me demander. Alors du coup équipe, je vais remettre Tiplouf devant. Tiplouf. Et du coup je vais mettre Abra devant Kunotor. Si je vais quand même sauvegarder en fait. Vu que je viens d'attraper un Pokémon, ce serait dommage que je doive recommencer si jamais il y a un problème. Ouais, je suis sortie de la grotte. Charbourg, j'y suis. Enfin. Salut dresseuse. Si tu n'as aucun badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut. Alors laisse-moi te montrer où se trouve la reine de notre ville. Bien sûr, avec joie. Hmm.
Tiens, il y a quelqu'un devant la reine. Oui, c'est mon ami Nils. Ces conduits servent à renouveler l'air dans les sous-sols. À force de les regarder, j'ai envie de crier dedans « Bonjour !» Il y a des gens bizarres. Pas chercher à comprendre. Bon allez, je vais faire un tour chez les gens quand même. Il y a 8 champions d'arène dans la région de Sinnoh. L'objectif pour les dresseurs est d'obtenir tous les badges. Oui. Pyrrhic nous laisse entraîner nos Pokémon dans la mine. D'accord. Un champion d'arène est bien plus fort qu'un dresseur normal. Si j'étais toi, je prendrais autant de Pokémon que possible avec moi. Bon, c'est déjà fait, j'en ai 6. Je pense que je peux pas en prendre plus là. Je suis au max. Tu attrapes des Pokémon? Alors tiens, c'est pour toi. Vous obtenez une sombre boule. Oh, merci. On s'attache plus à ces Pokémon quand on leur donne un surnom, tu ne trouves pas? Pas du tout. John. Non, ils ont pas fait ça, ils ont pas appelé leur psycho Conchon. Non, franchement. Il a appelé notre psychoquack John à cause de sa couleur. Nous n'avons vraiment pas le même sens de l'humour. Je suis tout à fait d'accord avec elle, franchement. John. Finesse. Non, il avait pas le droit. Oui, jaune. Oui, j'ai bien compris, hein, merci. Mais voilà. Hop, on va sauvegarder. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On a quand même bien avancé, j'ai enfin attrapé un Abra. En plus je l'ai attrapé du premier coup du coup, donc c'était... Du coup, ça c'était nul. Je l'ai attrapé du premier coup, donc c'était vraiment très bien. Je suis très contente de l'avoir attrapé du premier coup. Et du coup, bah on a fait un bout de chemin, et je suis enfin arrivée à Charbourg. Donc voilà, la prochaine étape sera d'explorer la ville et surtout d'aller dans l'arène pour combattre le champion d'arène. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye!